Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 5 du pass de combat de la saison 5. Alors tout simplement dans cette vidéo je vais vous présenter l'emplacement exact de l'étoile secrète de la semaine 5 qui est de suivre la carte au trésor trouvée à Snowy Shore. Donc je vais vous montrer l'endroit exact, donc c'est parti. Donc je vais aller à Snowy Shore qui se trouve tout à gauche de la map, donc je serai un peu tranquille pour chercher la carte au trésor et puis après on ira chercher l'étoile secrète et je vous montrerai l'emplacement exact. Alors ce qui est bien, c'est que depuis la nouvelle mise à jour, il y a toutes les listes des défis qui se figurent à gauche et franchement ça c'est juste incroyable, franchement c'est génial de leur part, comme ça ben, on se pose pas la question qu'est-ce qu'on doit faire et tout ça, et à chaque fois ben, on a la liste des défis et ça franchement c'est juste parfait. Alors maintenant, je vais chercher après l'étoile, la carte au trésor. Oh, il y a quelqu'un avec moi. Donc, je vais déjà prendre une arme. Mais je vais fouiller après la carte au trésor. Et puis dès que je trouve la carte au trésor, ben, je vous le dis. Et je vous montre l'emplacement de l'étoile secrète après. Donc, j'ai pas trouvé le type. J'ai essayé de le suivre. Et apparemment, il a fait la même chose que moi, en fait. Il a été tout simplement chercher la carte au trésor qui se trouve ici. Donc, tout en bas de Snowy Shore. C'est la première maison tout en bas. Et en fait, on peut remarquer que ça c'est une église, ça c'est une croix, ça c'est une plante, ça c'est des pierres tombales. Donc on peut remarquer que tout simplement ça se trouve à Huntle Hills, donc ici. Et alors ils disent plus précisément, ben je pense que c'est sur, ah non c'est sur la petite maison qui se trouve juste là, à côté du grand clocher. Et voilà, donc là ben, je vais tout simplement m'y rendre tout de suite. Alors là, regardez-moi ça. Alors ça. C'est mon kill. Non, c'est mon kill. Non, vas-y. Oh putain, il l'a éliminé. Ah non, ça va. Oh, il l'a éliminé. Non. Putain, j'avais une balle de snipe. T'es un connard. Chier. Je suis deg. Enfin bref, j'en ai eu un sur deux, c'est déjà pas mal. Donc, faut savoir que ça fait vraiment pas mal de temps que je n'ai plus joué. Ça fait tout simplement une semaine. Hein. Donc, je vais essayer de faire top 1 après avoir repris l'étoile, comme il reste que 19 personnes. Et je sais pas si je vais y arriver, mais je vais faire de mon mieux. Et je vous tiens au courant, hein, bien sûr. Donc là, de toute façon, je vous montre l'emplacement de l'étoile secrète qui se trouve tout près. Hein. Voilà, on fait un peu nos courses tant qu'on y est. Alors, voilà, normalement c'est juste à côté de ce clocher là. Ok, je suis hors zone, mais c'est pas grave, c'est sur la maison là, c'est sûr et certain. Donc il y a le clocher juste à gauche, c'est la maison là. Vous montez là, c'est entre les deux barres, voilà, exactement. Donc ça fait chier parce que je suis en pleine tempête. La miniature sera peut-être pas si belle que ça. Mais c'est pas très grave, on va quand même faire une petite danse. Ok, LM, voilà, comme ça. On va faire ce. Tout simplement, ouais, Bel Air c'est bien, avec la meuf c'est bien, voilà, hop, voilà, un petit déhanché, si, merci, et maintenant vous récupérez ben, l'étoile secrète, et en fait je pense que je ne vais même pas pouvoir survivre en fait, ouais, ça va être un petit peu compliqué, j'ai vu une trousse de soins là où j'ai tué le type, donc je vais devoir aller la chercher, et j'espère ben, ne pas mourir dans la tempête, on verra bien comment ça se passe. Franchement, ça va être limite. Hein. Je vais essayer d'aller chercher ma voiture parce qu'à pied, je pense pas que j'y arriverai. En voiture, ce sera un petit peu plus rapide. Donc, espérons que j'arrive à survivre. Si j'arrive à survivre à ça, c'est vraiment pas mal quand même. Allez, c'est parti. Youhou! Mario Kart, mon gars. Moi, je kiffe ce jeu. Hein. Enfin, Mario Kart, je parle. Hein. Un jour, je pense que je vais essayer d'exploser le record du terrain de cross là. Où on peut faire un chronomètre et tout. Je pense que le record il a à 26 secondes ou 24 secondes. Je pense qu'il y a moyen de le battre.
Regardez, je vais y arriver au KLM. Ok. On va peut-être pas au KLM. Ah, vas-y, le petit buisson, là. C'est bon, quoi. Oh. En plus, le problème, c'est que j'ai plus de vie. Et il y a encore 14 ennemis. Donc voilà, c'est pas grave. Hein. Je vais vous tenir au courant si j'y arrive. Putain, il y a un tremplin, mais j'ai pas assez de matériaux. Donc je vous tiens au courant si j'arrive à faire un top 1. À faire des kills ou si je meurs tout simplement comme une grosse merde. Hein. Je vous tiens au courant, ne tracassez pas. Ok, j'ai vu un ennemi. Oh, bah il m'a vu aussi en fait. Là, le petit enfoiré. Ça va être compliqué. Il a l'air bon en snipe en plus. Je crois que je vais le laisser tomber. Oh putain, devant moi. Ah bah oui. Ah bah ouais. Ouais, il est trop fort. Il est trop fort. Je vois à gauche, je vois un snipe qui me touche quasi à la première balle. Je vois un autre type qui sort derrière un arbre, il me défonce. Je construis. Il prend direct la hauteur. Ah, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Vous arrêtez une semaine, vous êtes rouillés les frères. Enfin bref, alors ce qu'il faut savoir c'est que vous êtes obligé de quitter la partie, soit de faire top 1, soit de faire top 2, top 3, enfin, finir la partie, ou alors tout simplement vous suicider, ou alors vous faire tuer pour valider l'étoile que vous avez récupérée. Parce que tout simplement, si vous quittez la partie, ça ne sera pas validé. Donc voilà, je le dis à chaque vidéo pour les petits nouveaux. Alors ok, gain de palier, maintenant je vais dans le défi, je vous montre que le défi c'est bien validé, défi semaine 5. Suivre la carte au trésor trouvée à Snowy Shore, validée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. C'était Sois Cool au Mike et big up à Inazuma et ciao, peace.